l'entrepôt du bricolage. Le bricolage a pris entrepôt. MG, partenaire conseil des entrepreneurs. C'était plutôt une bonne première mi-temps pour une fois. Voilà, après ils ont joué à 7, ça nous a embêté aussi un petit peu. On n'a pas récupéré beaucoup de ballons, on a pris beaucoup de buts sur à 7 contre 6 justement. Donc voilà. Mais non, bien, c'est 16-10. Et puis après en deuxième mi-temps, on fait le taf dès le début de deuxième mi-temps, ce qui nous permet de faire tourner, quoi. Surtout pour nous, on s'est fait piéger déjà une première fois contre Istres en Coupe de la Ligue ici même. Donc oui, on s'est méfié, on a fait attention et puis on l'a abordé très sérieusement et on l'avait bien préparé surtout. Fin d'une grosse série quand même de matchs. Donc il me semble qu'on a fait 10 matchs en un mois là. Donc voilà, c'est la fin d'une grande série de matchs. Et puis on va avoir 10 jours là pour travailler la réception de Dunkerque ici en Lidl Star League pour prendre des points sur un adversaire direct. Ça a permis justement de faire souffler un peu les cadres, etc. Donc non, c'était un bon match et puis on s'est tous fait plaisir tous ensemble, donc c'était important. Bah, un match bien maîtrisé avec un début de match où Vernon a produit un jeu assez sympa et difficile à défendre à 7 contre 6. On a eu un petit moment d'adaptation et puis après on a réussi à faire l'écart et à toujours le garder, voire l'augmenter en deuxième mi-temps. On a fait rentrer tout le monde, ceux qui étaient un petit peu fatigués ont pu se reposer. Donc globalement, très content du match d'aujourd'hui. Bah, tout le monde est un peu fatigué, c'est difficile dans la tête et dans les jambes aussi. Donc là, on va se concentrer sur la récupération, on va avoir 2-3 jours de repos complet. Puis après, on a une dizaine de jours avant le prochain match de championnat. Donc on va essayer de récupérer les gens blessés et puis arriver vraiment avec les crocs sur le match du championnat contre Dunkerque. Sur le papier, oui, ils sont au-dessus de nous, mais au classement. Mais je pense que voilà, ici au Phare, on reste sur des bons résultats, que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat. Et je crois qu'on a toutes nos chances pour gagner contre Dunkerque à domicile. Entre la Coupe de France et la Coupe d'Europe, voilà, on reste sur des notes vraiment positives, donc ça aide, mais après il faut qu'on arrive à confirmer en championnat ce qu'on n'a pas fait à Ivry la semaine dernière. Donc là il va falloir sur les prochains matchs vraiment cravacher pour pouvoir se remettre la tête dedans dans le championnat. L'entrepôt du bricolage. Le bricolage a pris entrepôt. MG, partenaire conseil des entrepreneurs.